Allez, vas-y, dégage, 324, t'as vu, je t'avais dit 320, 330. J'ai rechangé le truc. Alex, 340. 265. Comment il porte? Ah là, je crois que j'ai trouvé le régal ultime, les kiki, vous allez manger. 264. Ouais, ah, bah, c'est nickel. 30 des cartes, quoi. 245, tu vois. 265, 248, 264, parfait. Vas-y, frère. Du l'odeur. Au filet du port, toi. Moi, je pense pas au filet. Ah, si, presque. Ah, il tire plus haut aussi. T'as tiré vachement haut aussi, quoi. Ouais, je pars plus loin que toi, tu vois, qu'il y a un chartiste de vie. Ouais, mais regarde, si je tire comme toi aussi, moi aussi j'y vais au filet, quoi. Ouais, mais t'as tiré mais là, super haut, quoi. Ah, si tu nous vois tirer comme ça, tu nous vois gueule. C'est un câble. Il porte ce point de chartiste, peut-être qu'on ne peut pas tirer si loin, en fait. Ah, ouais, si, ouais, si. Ouais, non, mais elle pète pas sur le gars. Elle pète pas sur le gus, la bille. Va voir, vas-y, voir. Je me mets avec mon petit ami Marvin, déjà. Histoire de gagner une ou deux fois. Et eh bah ben, c'est 4 contre 3. T'as peur, Marvin? T'as raison. Je fais super 5. Je fais super 5. Je fais palissade devant. Moi je fais les bidons là à côté. Ben, moi je pré-bunk. J'ai qu'à être tout seul, quoi. Ah, j'ai bien compris. Comment j'étais allumé, putain, comment j'ai eu peur, quoi. J'ai rien pris, toi. En deux secondes. Check-le, ben je check-le pour prendre la grêle, ouais. Regarde, je l'ai pas chuté. Hein. Bertrand, il m'a braqué comme ça direct. Et t'as direct, je l'ai fumé. Ah, mais je t'ai vu, j'ai essayé de te toucher. T'as joué ton cul, quoi. Oui, putain, viens pas, ouais. Comment qu'on fait les gars, quoi, pour pas se faire désinguer comme des boulets dès le début, quoi. On reste là. On reste en squad. Ouais. Prêt. Oh,
Oh, il va faire piquer. Bat. Voilà, et donc, Benoît. Si on défend, on est un peu léger. Flemme. T'es vraiment. Ah non, mais là aujourd'hui je suis une merde, je sais plus jouer au paintball quoi. Pareil, j'ai mal au crâne, je suis de la merde. Et un jour je m'étais fait opérer de l'appendicite, j'ai resté pendant un mois sans jouer, mais j'étais en dépression, je croyais que j'avais plus jouer au paintball à force. Je me disais, ça y est, c'est plus jouer au paintball, c'est le mec. Tu passes entre le cimetière et le tas de pneus, tu prends l'axe là, dans le virage à 90 degrés, tu sautes dans le perchoir, tu restes à couvert. Ouais. Moi je vais bout du couloir, et dès que tu. Et en fait tu vas me couvrir jusqu'à la rentrée de l'avion. Ouais, si j'arrive, ok, ça roule, ça marche. On fait ça, chef. Une fois que Fabien et Matt vous contournez à droite, une fois que vous êtes passé, vous bombardez le cockpit. Ouais, on est prêt, deux secondes. D'accord. Prêt. Je suis en place. Ouais, attends deux secondes, j'ai mon guette qui déconne. Pourquoi? Pour fuir la fumée. Oh. Cale-le devant le double vectrine, s'il te plaît. Merde, j'ai raté, il m'a glissé des mains. Ouais. Putain, mon gars, il tire plus, qu'est-ce qui se passe? Putain. Ah ben, je suis out. Je suis out, son gars en panne. Le snake à la nocturne, la première. Je le vois, tu sais, j'entends un bruit. Mais là, c'était le Fred, là, le grand Fred. Il arrive, tu vois, il passe comme ça entre deux arbres. J'étais couché au milieu, j'ai asmaté ici, j'ai pété la gueule. Et j'entends, tu sais, un bruit, mais comme un... Tu sais, les feuilles qui bougeaient dans tous les sens, mais plus bas. J'allume ma lampe, regarde, je vois le snake, il descendait en roulé bouclé, en fait, c'était les pots de billets ouverts, le gars, il était, tu sais, la tête comme ça, en boule, et les pattes en l'air. Et là, mais sans pitié, il était comme ça. J'ai éteint la lampe, et là, il y a Rémi Hadoum, il arrive à côté de moi, à 2 mètres, il était avec moi, il fout le phénomène là, il m'a rafalé maintenant. Il pour un gars de l'équipage verse. Mais le snake, il a pris, j'en pouvais plus, ce gamme, en plus, c'était vraiment bien gamé. Bon. Allez. Allez. Bon, c'est rouge à vie. La défense, je sais pas, donc. Rouge à vie. On fait un vote. Ceux qui veulent rouge à vie, vous mettez la main. Ah, c'est dégueulasse. Oui. Rouge vif. Rouge vif. Bon, bah, allez, hein. C'est pas premier. Un premier rouge vif pour Benoît, quoi. C'est une première. C'est ça quoi. Là en fait tu sors soit quand ça te promène, soit c'est violet vif en fait la première fois. On change pas les équipes. Hein? Un pot. Un pot dans chaque poche. Plus qu'un sport, un art de vivre. Il commence déjà à les fous. Marvin dans le cul. Waouh. C'est moi qui ai pris la grêle, mon gars. Heureusement que je me suis baissé parce que c'est pas long. Le mat, il a joué en école les deux sur la tête déjà. Fabien, toi, tu nous pètes le perchoir. Tu les asmates du haut du perchoir, mais tu les avoines, un truc de porc. Mais fais gaffe, hein, tu sors, c'est eux qui sortent, pas nous, hein, donc fais gaffe à tes boulasses surtout. Hein. Ouais. Mais tu nous... 3, 2, 1, go!
s'occupe. Vous êtes sorti vous, putain. Ouais. Là, c'était gentil comme rouge vif encore. Ouais.